Là, je viens de rentrer et je suis crevée. Voilà. Du coup, je viens de finir mon dernier coaching. Après, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Du coup, pas dîner, mais comme j'ai pas pris mon quatrième meal. Après, je vais checker my fitness ball parce que j'enregistre tout en ce moment. J'oublie de manger. Anyway, du coup, là, pour être rapide, je vais me faire un sandwich beurre de cacahuète banane avec un shaker. Oui, un shaker parce que ça vous sauve la vie. Il faut toujours en avoir une boîte de protéines. C'est pas une question de si vous en avez besoin, mais c'est une question de ça vous sauve la vie. Oui, ça vous sauve la vie. C'est pratique, gagner quand vous êtes en déplacement, quand vous êtes pressé, qu'il vous faut votre dose de protéines. Faut savoir que dans une scoop de protéines, ça varie entre 20 et 25 grammes de protéines par scoop. يعني داخل البواط كيتحلوها داخل كتلقاو الكوير لداخل une sorte de scoop ACD. في هذيك لا سكوب يجي فيها واحد 30 غرام في لي 30 غرام يجي فيها dans les 24 غرام de protéines, un truc comme ça. Du coup, ça varie entre, ça dépend de la protéine. Ça varie entre 20 à 24, 25. Des fois même jusqu'à 27. Oui, non, c'est le farm. Anyway, en tout cas, dites-le moi si vous voulez savoir sur quelle protéine vous devez prendre. Là, tout ce qui concerne les protéines, dites-le moi en commentaire. Si ça peut vous aider, je ferai une vidéo sur ça. Dans le cas, je vais aller me préparer à manger et finir de travailler. Ouais, parce que j'ai beaucoup travaillé. Anyway. Pu faire ma séance de muscu aujourd'hui, ouais. Du coup, je vais la rattraper, faire mon jour de repos, et du coup, j'aurai pas de repos cette semaine. Voilà, j'ai pas pu m'entraîner tout simplement parce que en fait, mon dernier coaching est à des kilomètres de la salle et que j'habite à côté de mon dernier coaching. Du coup, j'avais l'habitude de je m'entraîne toujours avant head le coaching. Mais cette fois, il y a eu trop de coaching en même temps dans la salle. Du coup, j'ai pas trop eu le temps de m'entraîner. Ça le fait pas. What else? Bah voilà, du coup, je devrais peut-être pas forcer un petit peu sur les glucides. Donc, si je suis à les glucides. Enfin, la vie est courte, les gars. La vie est courte. Mange tes glucides. Ça peut pas te faire de mal. Déjà, ne me fais un petit ça. Les gens, quand ils veulent faire un régime, pourquoi est-ce qu'ils n'ont les glucides? J'ai pas compris le délire. En fait, toi, tu veux perdre du gras, mais ce que tu enlèves, c'est du sucre, au lieu d'enlever le gras. C'est illogique. Parce que j'entends tous les gens dire « Oui, j'ai le khabz, j'ai le macaron, j'ai le sucre. » Ok, d'accord. J'ai le sucre de la kahwa, d'accord, ok. Mais ton gras, c'est quoi? C'est quoi? C'est du gras. C'est du gras. Du gras. يعني سي شحم وعلاش تخلي له شحم في لاليمونطاسيون وعلاش تنحي السكر تي دي شحم دونك مانجي فو غلوسيد ايتون دوني كو ميم فوت سيرفو اي نو كاربور كو كافيك دو دي غلوسيد علاش حبيتو تنحي له لا ماتيير بروميير كي لو ان فيت لا ماتيير كي لو في فونكسيوني بوكو علاش بوكو باسكو لي ريجيم تاع بكري قفا لي ريجيم نو لي diététicien, il peut dire qu'il faut enlever les glucides. Parce que tu as que les protéines ou les hachiches. Puis il faut que je les protéines.
Voilà, voilà. Du coup, arrêtez d'enlever vos glucides, les gars. Arrêtez. Si tu veux perdre du gras, t'as juste à créer un déficit calorique. C'est tout. Yani, en fait, un déficit calorique, c'est quoi? En fait, t'es une balance. Yani, toi, t'es une balance, tu vois. Tout ce que t'as, les efforts de ce côté, t'as tout ce que tu, tes dépenses de ce côté et tes apports de ce côté. En fait, si tes dépenses sont supérieures à tes apports, tu vas maigrir. Si tes apports sont supérieurs à tes dépenses, tu vas grossir. هنا تحبس ما كان ني نحي الجلوسيد ني نحي الكرا ني نحي هادي ني ناكل بزاف هذا ني هذا يشيل ني هذا يسمن ني البطاطا تسمن ني لابوز يسمن ني البرجر يسمن ني التفاح يشيل ني rien du tout parce qu'il y a autant de calories et de glucides dans une pomme que dans une assiette de riz ou que dans une assiette de pâtes. D'accord, la pomme هذيك الخضراء هذيك elle fait 25 grammes de glucides. Donc نحيوها من راسكم هذه تاع التفاح يشيل والروز يسمن والمعجون يسمن والخبز يفول انتيردير. Perso moi j'adore le pain. Je mange tout. Donc ما كاش ان aliment اللي راح يشينكم ولا راح يسين منكم فاتسي ان توتال ان توتال. وباش تحسبوا هذاك لو توتال allez checker, j'ai fait une vidéo sur ça, counting calories. Je vous la mettrai quelque part et dans YouTube. Je sais pas si le coup ici. Voilà, je vous la mettrai quelque part. En tout cas, allez checker la vidéo, vous allez apprendre comment calculer vos calories. Et voilà. Et si vous avez d'autres questions, je suis là pour y répondre. Posez-les moi sur Instagram ou bien ici. Je serai ravie d'y répondre. Bon, je vais aller manger maintenant parce que je crève de faim. Hein, tu crèves la faim. Ah oui, petit truc. Je pèse tout. Et si vous pesez pas, vous êtes perdu. Enfin, surtout les débuts. Hein. Bon, après, à la longue, on s'habitue. Mais à la longue, pesez votre nourriture. Parce que vous n'allez pas vous en sortir et vous ne saurez pas quoi faire. Et combien de trucs il y a dans quel truc. Tu vois, combien il y a de calories dans tel ou tel aliment. Il faut peser. Il faut vous obliger. Même si vous pensez que c'est un truc que vous ne pouvez pas faire. Mais après, ça devient un truc super de la vie, quoi. En fait, vous allez même pas vous en rendre compte que vous allez prendre votre balance et que vous allez compter. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez d'autres questions, libre à vous de les poser. Maintenant, on va peser ça, toute la banane. Comme ça. Il y a Ella qui attend devant moi de manger. Qu'est-ce que tu veux, Ella? Tu veux un morceau de banane? Hein? Tu veux un peu de banane? Et tiens. Gentille fille. Good girl. Good girl, baby. Good girl. Good girl, team. Good girl. Bisous. Bisous. Enfin, bon. So, voilà, j'ai terminé ça. Donc, je vais préparer mon shaker. Et je vais aller manger. Sur ce, Anna, je vous dis à tout à l'heure. Parce que moi, je vais aller pousser un petit peu. Et je vous tiens au courant. Voilà. Oh là là. Je vais te péter à des gars.
Voilà, du coup, je vous tiendrai au courant pour la suite. Et si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me les poser. Anyway. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un commentaire et de partager. Voilà. Ça coûte rien du tout, mais ça coûte absolument rien du tout. Ça vous coûtera rien et ça va m'encourager à faire plus de vidéos. Voilà. À vous aider parce que quand vous likez et que vous partagez, moi je me dis ça va, je sers à quelque chose. Mais si vous faites rien du tout, je me dis ok, te casse pas la tête, c'est bon, fais rien. Fais rien. Ils ont pas besoin. Il y a le fou. Anyway, allez, à toutes.